Ta façon d'acclamer ne me rassure pas ce soir. Est-ce qu'on peut faire des bruits de victoire à celui qui nous a rassemblés à Village? Elles sont pas acclamées. S'il te plaît, célèbre Jésus pour ce soir. Célèbre Jésus. Si tu crois que cette soirée, c'est ta soirée, célèbre Jésus. Et dis à ton voisin, cette soirée, c'est ma soirée à moi. C'est ma soirée. Et personne ne me volera cette soirée. Dis à ton voisin, je vois de grandes choses arriver à ta vie ce soir. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom souverain de Jésus. Est-ce que ton voisin a répondu à la prophétie comme un bon client prophétique? Acclame Jésus, s'il te plaît. Bienvenue à l'Assemblée de la Congrégation Baptiste Camerounaise, la paroisse Rema Ministry Mission de Village. Nous servons un Dieu vivant. Il est puissant au milieu de nous. Qui est là pour la première fois ce soir? La première fois. Qui me voit pour la première fois? Hein? C'est votre première fois de me voir en face? Physiquement, vous n'étiez pas là hier. Hein? C'est votre première fois. It's your first time. Ok. Fine. Qui me voit prophétiser à la télé? Who watches me prophesying on the TV? Qui est prêt pour recevoir la prophétie? Who's sa part. Ready to receive his own prophecy? Je vois que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. You're not ready. Nous allons faire des choses que l'homme ne comprend pas ce soir. Des choses que seul Dieu peut faire. Des choses qui brisent l'incrédulité du cœur des hommes. Parce que je ne suis personne. Je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Mais celui qui m'a appelé, il est le souverain d'Israël. Il est l'ancien des jours. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il dit oui, nul ne peut dire non. Et lorsqu'il dit non, nul ne peut dire oui. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est l'ancien des jours, le rocher des âges, le Dieu des impossibilités. Donc regarde à ce Jésus qui est mort sur la croix pour te sauver. Ne regarde pas au prophète de Cano Ferdinand. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de celui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Nous ne sommes pas ici pour le prophète de Cana. On n'est pas ici pour un homme. On est là parce que nous croyons que Jésus-Christ est ici. Et c'est pour lui que nous sommes ici. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est là ce soir? Seigneur, je te donne la gloire. Je ne suis rien, ni personne. Et je me mets à genoux devant toi pour prouver à ceux qui me suivent dans le monde entier et à ceux qui sont ici présents que je ne suis rien et je n'ai jamais dit être quoi que ce soit. Mais la gloire est à Jésus-Christ, toi qui m'as appelé dans les entrailles de ma mère, qui m'a accompagné dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Et ta fidélité a toujours été mon bouclier. C'est devant toi que je me mets à genoux pour dire qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Car le salut vient dans son nom et nous voulons t'adorer et nous voulons t'aimer et nous voulons te servir. Manifeste ta gloire, Seigneur, pour ta gloire et ta seule gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu,
Arazostawa Anna Mero Divinos Menoten. Esprit de Dieu. Sacro binato wa inna halumina velos. Katera mina utadisa wa anna prosperazo. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Embrasse mina udali garosa benorazo. Au milieu de nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, la seramina udali barosa di los men atoke. Tora mina udali folosa wa anas pramitan firas. Rabbanati filiza wa annas baruzei. Lo manutali maruza binat. Adonai wa inas baru davilos menate kares. O saramina utala virazo binote los menorai. Ke lo maita ulai lo. Aflaza mena ulai faluza wa anna udrapeta. Grapeta dei sua inos provida come a dei. Lok saramina utala ferazo bena in taketa. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Oh, qu'elle est faite sur nous. Talasinata, filasinata. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Déposer. Kaluda, il n'a oulé. Kasula, tinata, filosemen. Le monde. Nous voulons voir la nuée, l'élan des fées, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Jésus,
voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre. Ta puissance, parlez, parlez ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient te déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau, la gloire. Oh, la voix d'Olmina ou l'Ophila, Zobilo, Kinata, Tarialoma, wa inna haspramidal, Zaruta, Zaruta, Minova, wa inos croze. Solatawa inna manit warabana otalisa etona 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 zaramina utala feromi. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Commence à parler à Jésus ce soir. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ici au milieu de nous. Zaraita wa inasrat firas in naros patura mina uta udalamin adenata filos mena udal kuras ontrazo binora bina udali grossmen asala idal wa inna avolata bina detata wa dunia filos mena ugista ugal foroza sabro mina ifroste kasemao. Élève ta voix, Saint-Esprit. Élève ta voix, Saint-Esprit, ce soir. Élève ta voix.
Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi ta gloire. Je veux monter. Je veux monter. Crie à Jésus ce soir. Seigneur, sors-moi de ma bassesse et amène-moi dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter. Je veux monter. Honora Domina Utala Firazanita Utelosa. Délivre-nous de la main de nos ennemis, Jésus. Délivre ton peuple éternel. Libère nos âmes. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Tu m'emmènes. Il est digne de recevoir ton adoration parce que personne n'est semblable à lui. Tu ne mourras pas. Personne ici ne mourra. Personne qui me suit en direct ne mourra. L'Éternel dit que les décrets de mort contre nous sont effacés et annulés ce soir au nom souverain de Jésus. Toute maladie par laquelle le diable passait pour t'emmener par l'esprit de la mort, le Seigneur te guérit de cette maladie au nom souverain de Jésus. Quel que soit le moyen que l'ennemi a utilisé pour en finir avec ta vie, ainsi a parlé l'Éternel des armées. Le Seigneur anéantit les plans de nos ennemis ce soir et nous accorde la vie et la vie en abondance. Car il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Que la vie de Jésus-Christ soit ta vie. Et que cette vie abondante soit ta vie, dans le nom souverain de Jésus. Je vois la vie remplacer la mort. Je vois la longévité remplacer la mort précoce. Je vois la santé divine remplacer la maladie. Je vois la bénédiction remplacer la malédiction. Si c'est toi, dis amen cette fois comme le tonnerre. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît, acclame Jésus. Ta manière d'acclamer déterminera la vitesse de ta visitation ce soir. Ça dépend de toi. 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 Tends la main vers moi. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Toute barrière devant ma vie, je l'anéantis au nom souverain de Jésus. Dis amen trois fois et c'est scellé. Dis à ton voisin, voisin, sois prêt. Parce que tes ennemis vont pleurer devant l'Éternel ton Dieu ce soir.
Qu'est-ce que ton voisin a dit? What is your neighbor saying? Pendant que tu es debout, as you're standing, prends ta Bible avec moi. Take your Bible with dans me. Exode chapitre 15. In Exodus chapter 15. Verset 22. Verse 22. À 27. To 27. Le thème de mon message, the theme of my le Dieu des inconnus. The God of unknown. Le Dieu des inconnus. The God of the unknown. L'Éternel est bon. Jesus. Mais l'Éternel est bon. Desarami filmero aksera Esarami morai filago Serami morai nofra Adonai filimaro Esarami morai no filmaraso Esarami morai nafra Asurami movero Esera mi molem gamaro, esura mi morabino dello fri, esera mi marufe, esera mi mora barazo, esera mi mora inofra, esera mi movaro, esera mi molem sarume, esera mi morabino msurume, esera mi movero. Mais l'éternel est bon. Mais l'éternel est bon. Mais l'éternel est bon. Mais l'éternel est bon. Esera mi murabana zabaro Esera mi muraban zavure Esera mi muraban zavure Esera mi murabino lex zavure Esora mi mora ben zavure Esera mi mora ban zavure Nosora mi mora ben olom zavure Meleta melebo Meleta melebo C'est l'Éternel qui nous a bénis. Oh, l'Éternel qui nous a bénis. Tu peux ne pas m'aimer, mais il m'a béni. Mais c'est l'Éternel qui nous a appelés. C'est l'Éternel qui nous a appelés. Tu peux douter, mais il m'a appelé. Mais l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Mais il est bon. Et ça refera. Et ça refera.
Et sera même Rabana et sera. Oui. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. La Bible déclare: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et des commandements, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Tends ta main vers moi. Dis: mon Père et mon Jésus, délivre-moi de la main de tous mes ennemis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis amen trois fois et c'est scellé. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Dis à ton voisin: sois attentif et l'Éternel te bénira. Le thème de mon message: le Dieu des inconnus. The God of the unknown. Yes. Oui. Le Dieu des inconnus. The God of the unknown. Je vais aller rapidement et je prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour comprendre le message que le Saint-Esprit a pour toi et pour ta famille. Et je veux que tu sois attentif, ne permets à personne de te distraire, s'il te plaît. Ne permets à personne de te distraire. Parce que ça, c'est la partie la plus importante de cette rencontre. Dans le passage qu'on a lu, la Bible parle de l'histoire d'Israël et de Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte et ils venaient de traverser la mer Rouge, une grande épreuve dans leur vie. Ils venaient de remporter une grande victoire. Mais ils ont marché pendant 3 jours. Ils n'ont pas eu d'eau à boire et ils avaient soif. Nous savons, nous tous, que jeûner pour 3 jours sans boire de l'eau est une chose pénible. Mais c'est encore plus pénible lorsque tu n'as pas bu de l'eau, mais tu es dans le désert, sous un soleil caniculaire, dans une chaleur caniculaire, et en marchant, tu voyages pendant 3 jours dans un désert ardent, et tu n'as pas de l'eau à boire. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part et ils ont trouvé de l'eau. Et quand ils ont vu cette eau, tout le monde était dans la joie. Le peuple était heureux. Ils étaient contents. Ils ont commencé à bénir Dieu. Waouh! Oh, gloire à Dieu! Enfin de l'eau à boire. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est puissant. Il pourvoit de l'eau dans le désert. C'est la vérité. Notre Dieu est le Dieu qui pourvoit à boire dans le désert. Il peut faire apparaître des étangs d'eau où il n'y a pas d'eau. Et je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un qui est dans un désert où il n'y a pas d'eau. L'Éternel pourvoira de l'eau dans ton désert au nom souverain de Jésus. Tu ne vas pas mourir dans ce désert. Un miracle va se produire. Et c'est pour cela que je suis venu ce soir te parler. Tu ne mourras pas dans ce désert. Il y aura de l'eau dans ton désert. Tu ne mourras pas à cause de la soif. L'Éternel t'accordera de l'eau. Autant convenable, tu buvras de l'eau. De l'eau fraîche et de bonne qualité. Tu buvras. Tes enfants buvront. La maison de ton père buvra. La maison de ta mère buvra. Car Jésus-Christ est une source d'eau vive. Et ils sont arrivés, ils ont vu de l'eau, ils ont couru vers ces eaux, et ils ont bu. Quand tous ceux qui ont mis l'eau dans leur bouche ont vomi cette eau. Ils ont vomi pourquoi? Parce que l'eau était amère, l'eau était infeste, l'eau n'était pas buvable. Et donc,
il y avait l'eau, so there was water, mais cette eau but that water ne remplissait pas le rôle que l'eau doit remplir. Cette eau n'a pas désaltéré le peuple d'Israël. C'était de l'eau, c'était leur eau, mais ils ne pouvaient pas boire de cette eau. Mais qui avait rendu cette eau amère? Quelqu'un qui savait qu'il passerait par là. Écoutez mes amis, parfois dans cette vie, dans l'expérience que nous avons, tu souffres pour Dieu, pour ta foi, tu te consacres à Dieu, tu acceptes les insultes, les injures, le mépris, les moqueries, les railleries, le sarcasme, la risée, le rejet, la catalepsie à cause du nom de Jésus. Un jour, pendant que tu meurs de soif, tout le monde te dit tu vas mourir de soif. Et tu arrives quelque part, tu vois de l'eau. C'est ton eau que Dieu a donnée. Mais tu veux boire, mais cette eau est amère. Parce que l'ennemi l'a empoisonné. Et Dieu m'a dit, prophétise sur les eaux amères de leur vie. Je déclare, avant de déclarer, il y a des personnes parmi nous ici. Tu as l'eau, mais tu ne bois pas cette eau. Parce que l'eau-là, la mort est dedans. Tu as des bénédictions, mais quel ennemi a empoisonné? Tu as des grâces, le diable les a empoisonnées. Tu as des opportunités, mais tu ne profites pas de cela. Tu as de bonnes relations, des personnes qui peuvent prendre seulement leur téléphone. Ils passent un coup de fil. Ta faveur et ta vie change, mais tu n'arrives pas à profiter de ces relations. Tu as de grandes opportunités que beaucoup dans ta famille n'ont jamais eu. Mais quand on regarde ta vie aujourd'hui, tu es comme un village ruiné. Ta vie est misérable. Pourtant, tu as côtoyé de grandes personnalités. Tu as eu de grandes opportunités, mais ces opportunités étaient comme de l'eau amère pour toi. Tu n'as pas pu boire. Tu t'es marié. Tu t'es battu avec un homme. Tu l'as assisté. Lorsqu'il n'était rien, il n'était personne. Il n'avait rien. Jusqu'à ce qu'ensemble, il est devenu grand. À l'heure de t'épouser, il t'a mis de côté pour épouser quelqu'un qui n'a rien connu de ses souffrances. C'est ça. La malédiction de Mara, l'eau amère, la malédiction de Mara, que Dieu te délivre, toi et la maison de ton père, toi et la maison de ta mère, de la malédiction de Mara, la malédiction des eaux amères. Dieu t'en délivre au nom souverain de Jésus. Écoutez mes amis, je suis un prophète et je vous ai dit une chose, pendant ces trois jours, les eaux amères de ta vie seront assainies. C'est ma mission ici à Douala, assainir les eaux amères de ta vie. Vous avez vu des gens parmi nous ici qui ont touché beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien fait de leur argent. Ils ne sont rien, ils ne ressemblent à rien, ils n'ont pas acheté de terrain, ils n'ont pas construit de maison. D'autres ont acheté des terrains, mais ils ont revendu leur terrain. C'est fini au nom de Jésus. D'autres se sont mariés. On les a chassés du mariage. Pourquoi? À cause de la malédiction des eaux amères. La malédiction de Mara. Que Dieu assainisse les eaux de ta vie. Que tout poison que les sorciers ont inoculé dans tes bénédictions retourne à l'expéditeur au nom souverain de Jésus. Ce soir, tu sauras qu'un prophète a visité le quartier village pour assainir les eaux des habitants de ce village, de tous ceux qui sont ici présents et de ceux qui sont en direct. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible explique qu'après cela, Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse, va en brousse, prends une plante, viens la jeter dans cette eau et l'eau sera assainie. Je vous ai dit que demain nous allons poser un acte ici et dimanche à Yaoundé pendant notre culte, tous les trois cultes qui restent, ces trois cultes qui restent à février, à ce mois de février à Yaoundé, chacun viendra avec dimanche prochain déjà, avec un plat neuf. Il y aura le sel à l'église. C'est la première fois que je pose cet acte. Chacun de vous, demain, qu'il apporte un plat neuf ici, vous saurez qu'il y a un prophète dans cette nation.
toute pratique de sorcellerie, partout on a amené ton nom, avant ta naissance, où on est allé maudire ta famille, nous allons assainir les eaux de nos familles. Autel de l'Éternel contre les autels de sorcellerie. Prophète de Jésus-Christ contre les prophètes du diable. Nous verrons qui remportera cette guerre. Car l'Éternel combattait pour Israël. La Bible déclare que Dieu parle à Moïse et il est allé et il a pris cette plante et immédiatement il a jeté dans l'eau. L'eau s'est assainie. L'eau qui n'était pas buvable, l'eau qui n'était pas potable a été potabilisée par ces bois, cette arbre, cette plante. Et l'eau était consommable et les gens ont bu. À partir de ce soir, tu vas jouir de tes opportunités. Tu jouiras de tes bénédictions. Tu jouiras de tout ce que Dieu te donnera comme grâce. Tu ne diras plus, ouais, à moins que j'allais être béni. Hein. Ouais, on m'a encore volé tes relations. Ouais, on m'a encore volé ma chance. Tu ne perdras plus tes opportunités. Il y a les gens parmi nous qui travaillent comme des esclaves. Tu travailles. Les gens viennent après toi. Ils montent en grade. Ceux que tu as formés deviennent tes patrons. L'erreur là sera rectifiée ce soir. Les filles à qui tu as appris comment porter les serviettes hygiéniques se marient, tu es encore célibataire. Cette erreur sera corrigée ici. Je dis cette erreur sera corrigée. Tu apprends aux gens comment faire les affaires, comment faire le business. Ils sont multimillionnaires, ils deviennent milliardaires. Toi-même payer le loyer de ta maison, tu n'arrives pas. Cette erreur doit être rectifiée. Qui a maudit les eaux de ta vie? Je maudis les eaux de la vie de cette personne. Qui a rendu amer les eaux de ta famille? Je rends amer les eaux de la famille de cette personne. Dieu doit te libérer. Nous allons boire de notre eau. Nous serons désaltérés. Nous n'aurons plus soif. Quand tu bois de la bonne eau, de l'eau qui est bénie, tu n'as plus soif, mes amis. Tu n'as plus soif du mariage. Parce que ton mariage est réussi. Ton mariage est heureux. Tu n'as plus soif d'argent. Parce que Dieu a fait de toi un commerçant, un homme d'affaires, une femme d'affaires prospère. Tu n'as plus soif de convoiter les maisons des gens, parce que ton Dieu t'a béni et tout le monde convoit la maison dans laquelle tu dors. Dieu enlève la soif de ta vie. Dieu désaltère ton âme. Dieu désaltère ta destinée. Celui qui dit amen comme le tonnerre reçoit la double portion. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit ceci. Qu'après qu'ils aient bu de cette eau, ils sont quittés de là. Et ils sont partis. Et ils sont arrivés quelque part qu'on appelle Elim. Et à Elim, ils ont trouvé cette source d'eau avec 70 palmiers. Et ils se sont établis au bord de l'eau. Ces eaux-là n'étaient plus amères. Après des moments de difficulté, après des temps de bataille, de rejet, de pleurs, de déception, de maladie, de douleur, de blessure de la vie, le temps vient où Dieu t'enlève de Mara, le lieu de l'amertume, le lieu de la déception, le lieu des pleurs, le lieu des échecs, le lieu des maladies, le lieu des blocages. Dieu t'amène à Elim, le lieu des eaux sucrées, le lieu des eaux délicieuses, le lieu des eaux potables. Et tu vas t'établir à Elim, le lieu de l'abondance. Ce temps, c'est maintenant. Ce temps, c'est aujourd'hui. Dieu t'enlève de Mara pour t'amener à Elim, où l'abondance t'attend. Cette année 2023, tu quittes Mara. Mara veut dire amer. Mara veut dire malédiction. Mara veut dire échec. Mara veut dire déception. Tu quittes de la mauvaise terre. Et Dieu t'établit à Elim, qui est la terre de la prospérité, la terre du succès, la terre de la guérison, la terre de l'élévation, la terre où tes enfants se marient, la terre où tes affaires explosent, la terre où les portes fermées de ta vie s'ouvrent. Je te vois établi à Elim au nom de Jésus.
Il n'y avait pas une seule source. Il y avait sept sources d'eau. Aucune d'elles n'était touchable. Ta bénédiction sera sécurisée. Personne ne touchera ta grâce. Personne ne touchera ton élévation. Personne ne touchera ta portion. Celui qui dit Amen, il entre à Elim ce soir. Ah. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Ce n'est pas tout ça. Ce qui m'intéresse, on fait marche arrière. Dis à ton voisin, on fait marche arrière. On rentre sur ce qui nous intéresse ce soir. Nous rentrons à Mara. Retournons à Mara. Lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils ont trouvé de l'eau. Mais ils ne pouvaient pas jouir de cette eau. Tu as des enfants. Normalement, tes enfants doivent te mettre à l'abri. Te mettre en haut. Dans ta vieillesse. Mais toi, dans ta vieillesse, tes enfants te troublent plutôt. Jusqu'à l'âge-ci, tu as des filles à la maison. Elles sont majeures. C'est toi qui leur donnes l'argent pour manger, l'argent de taxi, l'argent pour aller à l'école. Tu achètes jusqu'à leur serviette hygiénique. Ça, c'est la malédiction de Mara. Je prophétise qu'aucun de tes enfants n'échouera. La malédiction familiale qui avait retenu captif vos enfants, je la brise. 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 Celui qui dit Amen, il est délivré sa famille. Je brise ces malédictions. Tes enfants réussiront. Tes enfants grandiront. Ils marqueront l'histoire de ta famille. À cause de tes enfants, je te vois à l'abri. Je te vois à l'abri. Je te vois à l'abri. Les enfants sont supposés être la bénédiction de leurs parents. Je prophétise sur tous les jeunes hommes, les jeunes femmes dans cette salle, ceux qui sont connectés. Tu construiras une maison à tes parents. Tu achèteras des voitures à tes parents. L'Éternel te bénira. L'Éternel te fait déménager de Mara pour Elim, de la médiocrité à l'excellence, de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage. Reçois jeune homme, reçois jeune femme, j'ouvre les portes de ta destinée ce soir. Hey, thank you, Jesus. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mara, les eaux étaient amères. Quelque chose s'est passé à Mara. Quelque chose de grave s'est passé. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, c'est Moïse et le bâton de Moïse qui ont sorti Israël. Tous ceux qui prient à l'autel, que Dieu vous exauce. Qu'il ôte l'ignominie de vos vies. Qu'il ôte le fardeau que tu poses, que tu portes. Tu ne te lèves pas de cet autel avec ce fardeau, non souverain de Jésus. Tant que mes pieds ont foulé ce lieu, cet autel. Vous savez que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, c'était grâce à Moïse et grâce à son bâton. Dans le temple de Pharaon, c'était Moïse et le bâton qui étaient les acteurs principaux. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est Moïse et le bâton qui ont divisé la mer Rouge. Dans toutes les batailles d'Israël, c'est Moïse et le bâton qui étaient les vedettes en Israël. Et ils sont arrivés à Mara. Lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils ont trouvé les eaux amères. Le peuple avait les yeux sur ses sauveurs, Moïse et le bâton de Moïse. Ils savaient que tant que Moïse est là, tant que son bâton est là, alors le miracle est possible. Et Moïse lui-même, dans son cœur, se disait, une fois encore, je vais opérer un miracle. Le peuple saura que je suis un prophète. Et le bâton de Moïse, lui aussi se vantait et disait, c'est un petit problème. On sait que c'est moi qui résous les problèmes ici. Je vais résoudre le problème de ces eaux. Lorsque le temps d'assainir les eaux est arrivé, Dieu a pris Moïse. Il a mis de côté. Il a pris le bâton de Moïse. Il a mis de côté. Il a dit à Moïse. Et il a dit au bâton de Moïse. Cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez opérer le miracle. Il a dit à Moïse, va dans la forêt. Va dans la forêt. Go there in the forest. Tu trouveras une plante. You will find a plant. La plante que je t'indique. Nous ne connaissons pas le nom de cette plante. Tellement cette plante était méprisée. Elle était inconnue. Elle était méconnue. Nous ne savons pas de quoi il s'agissait. Nobody
Parce qu'elle n'avait aucune importance pour personne. Elle était tellement méprisée qu'on avait oublié de nous donner son nom. C'était une plante parmi des plantes, mais que Dieu avait choisi. Il prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. Lorsque Dieu te choisit, ni Moïse, ni son bâton ne peuvent t'empêcher de prier. Il ne peut pas t'empêcher de réussir. Le temps est venu où Dieu se souvient de celui qui a oublié, de celle qui était méprisée, qui était une plante inconnue que personne ne considérait, qu'on ne respectait pas dans la famille. Une plante méprisée, une plante rejetée. Mais c'est cette plante que Dieu a choisie. C'est vers cette plante qu'il a envoyé son prophète. Il a dit, prends cette plante, car l'heure de sa gloire a sonné. Et c'est cette plante qui va opérer ce miracle. Et c'est grâce à cette plante que les eaux amères sont devenues potables. Tu es méprisé, tu es rejeté. Peut-être même ton nom, on ne retient pas. Comme cette plante est inconnue. Dans ta famille, tu es inconnu. Lorsqu'on cite les noms, on ne cite jamais ton nom. Ainsi parle l'Éternel. C'est toi que je choisirai pour assainir les eaux amères de ta famille. Of your family. Hey, hey, hey. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Le moment est venu où la plante est inconnue doit être connue. Le moment est venu où Dieu ira te choisir parmi les plantes de la brousse, rejetées, oubliées, abandonnées dans la poubelle des hommes. Et il te présentera. Et par toi, il fera ce qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Par toi, il accomplira ce que ni ton père, ni ta mère, ni tes ancêtres n'ont jamais accompli. Parce que c'est le Dieu des plantes inconnues. C'est le Dieu de la pierre rejetée. C'est le Dieu qui prend ce que les hommes ont disqualifié pour les qualifier. Aïe. Jesus. Vous voyez, je vais finir avec ceci. Dans notre nation, j'étais une plante inconnue, mais qui est bien connue aujourd'hui dans toutes ces nations et dans les nations. J'étais une plante inconnue. Les Moïse du Cameroun se disaient qu'en dehors d'eux, nul ne peut servir Dieu au Cameroun comme eux. Les bâtons de Moïse, qui étaient renommés, respectés, se disaient que ce n'était que par eux que Dieu pouvait se glorifier au Cameroun. Mais un jour, Dieu s'est souvenu d'une plante inconnue, perdue dans la brousse de Garoua. Il a traversé les provinces du Cameroun. Il est arrivé à la Benoué. Après le pont de la Benoué, après les brasseries de Garoua, il est arrivé dans la forêt de Fulbéretati. Il est entré dans la savane. Il a trouvé une plante perdue, une plante abandonnée qui gémissait et rejetée. Il a cueilli cette plante, il lui a donné un nom, et Cané Ferdinand, et il a ramené cette plante pour assainir les eaux du Cameroun. C'est le Dieu des plantes inconnues, le Dieu qui prend ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes piétinent, pour prouver aux hommes que l'élévation ne vient pas des hommes, l'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu t'élève, qui te rabaissera? Si Dieu t'a dit oui, aucun homme ne peut te dire non. S'il a ouvert la porte de ta vie, personne ne peut refermer les portes de ta vie. Si ton Dieu t'a choisi, qui te rejettera? S'il a décidé d'élever, qui te rabaissera? S'il a décidé d'exposer, qui te cachera? S'il a décidé de te bénir, qui te maudira? S'il a décidé de t'enrichir, qui t'appauvrira? S'il a décidé de bénir tes enfants, qui maudira tes enfants? S'il a décidé de les élever, qui les rabaissera? S'il a décidé d'exposer au monde, qui cachera ton étoile? Personne ne peut le faire.
personne ne le fera. Personne ne le pourra. Personne ne le fera. Personne ne le pourra. Aucun sorcier ne pourra. Aucun magicien ne pourra. Aucun franc-maçon ne pourra. Aucun résiduciel ne pourra. Aucun démon ne pourra. Aucun diable ne pourra. L'Éternel t'expose. L'Éternel te lève. L'Éternel nettoie les larmes de tes yeux. Il te cherche dans la brousse où ta famille t'avait rejeté. On t'a abandonné là-bas. Ils reviendront. Ils reviendront à toi. Ils reviendront parce qu'ils apprendront que Dieu s'est souvenu de toi. Que ton Dieu s'est souvenu de toi. Qu'il a changé ton histoire. Qu'il a transformé ta situation. Que ton Dieu t'a béni. Que ton Dieu t'a visité. Qu'il a nettoyé les larmes de tes yeux. Qu'il a consolé ton cœur brisé. Ton époque est arrivée. Ta saison est arrivée. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Lève-toi. Entre dans la porte de la gloire. Lève-toi. Entre dans la gloire. Lève-toi. Entre dans ta saison. Lève-toi. Car ta saison est arrivée. I receive. Hey. La gloire de Jésus est ici. The glory of Jesus is here. La présence de Dieu est ici. The presence of God is here. La présence de Dieu est ici. The presence of God is here. La présence de Dieu est ici. The presence of God is here. Ta saison a sonné. Your season has come. Ta saison a sonné. Your season has come. Les moqueries vont s'arrêter. Laughter will stop. Le mépris va s'arrêter. And scorn will Le stop. Rejet va s'arrêter. Rejection will stop. Dieu se souvient de toi. God remembers Dieu you. Se souvient de toi. God is remembering you. Lorsque Moïse, When Moses, Dieu lui a dit, God ce n'est pas par toi you, que je vais opérer ce miracle. Moïse était étonné. Lorsque Dieu a dit au bâton de Moïse, ce n'est pas toi qui opéreras ce miracle. Ils ont demandé, en dehors de nous, c'est encore par qui que tu peux opérer le miracle. Et Dieu leur a dit, venez, je vous montrerai. Ils ont disparu dans la forêt, parmi les plantes abandonnées. Ils ont trouvé une plante rejetée, une plante oubliée. Et Dieu a dit à Moïse, c'est cette plante. C'est elle que j'aime. C'est elle que j'ai choisie. C'est ma plante ici. C'est elle que j'ai décidée. Opérer le miracle par elle. Il a dit à Moïse, prends cette plante. Mets ton bâton de côté. Toi-même, mets-toi de côté. C'est le temps de cette plante. Je la glorifierai. Je l'élèverai. Je me suis souvenu d'elle. Et Moïse a vu que le Dieu qui opérait par lui et par son bâton était le Dieu. Des plantes inconnues. Il élève qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Quand il veut. Comme il veut. Où il veut. Et nul ne peut lui demander. Pourquoi fais-tu cela? Car éternel, Dieu des armées, est son nom. Jesus. Zeramina ou laïka felosa. Batoramino. Et l'Esprit de Jésus m'a dit de prophétiser. Cette saison, le Moïse sera mis de côté. Le bâton de Moïse sera mis de côté. Les gens dans ta famille, dans ton pays, dans ton village, qui sont les Moïse, qui ont la renommée, on sait que c'est par eux. Ce n'est que par eux. Hormis eux là, personne ne peut plus. Dieu les mettra de côté. Il va s'élever au-dessus d'eux. Dieu a confondu Moïse. Il a confondu le bâton de Moïse. Dieu confondra les Moïse de ta famille. Il confondra le bâton de Moïse de ta famille. Toi qui dis, un petit comme moi, un petit gars comme moi, une petite femme comme moi, comment est-ce que je ferai pour changer l'histoire de ma famille? Mon Dieu m'a oublié. Mon Dieu m'a abandonné. Je vais à l'église tous les jours. Je ne vois pas de changement dans ma vie. Je prie. Je jeûne. Je donne des offrandes. Mais rien ne change. Où est passé l'Éternel? Devant qui je pleure? Devant qui mon âme languit? Où est le Dieu de mon salut? Nos pères nous ont dit que c'est le Dieu qui se souvient des plantes inconnues. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de toi aujourd'hui. Que
quel que soit l'endroit où on t'avait caché, l'Éternel va te chercher et il te ramène et il te présentera. Moïse et le bâton de Moïse seront obligés de te donner la place. Ceux même qui t'empêchaient de t'exprimer, ce sont eux qui vont t'applaudir parce qu'ils seront obligés, parce que c'est Dieu qui t'aura positionné. Quand c'est Dieu qui te positionne, même tes ennemis sont obligés d'acclamer parce qu'ils n'acclament pas. S'ils n'acclament pas, malheur à eux. Dieu va les cogner la tête. Et Jéro Zaramore et Sera Melo et Sera Mimura Banato Sera Mimura Inflaso Sera Mifiraso. Commence à parler à Dieu. Tends ta main vers moi. Dis mon père, oh mon Dieu, souviens-toi de moi ce soir. Tu sais où on a caché mon étoile. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Que mon étoile commence à briller. Ouvre la bouche et prie pour toi et pour tes enfants. So Shezekia, Kalete Peparata no Montalabra, Ipapa Rosia no Montalia Coparadiga, Elaine de Mantola Baratanaga de Gedebeza, Echeta, Intama no Pomo Varicania Preve de Gea, Leprene nosa Intani Teperegate, Rasalamane Ton Shahadiga, Barasera Gazaramelo. Sera sera mi mora banaso sera mi filigu maudelo fine e sera mi more vodero e soro asura mi mozero e sere fatei sera mi mora banasevo sarumi mora ife ramemo Sera mi mora banaso, sera mi falu mi mora ije, sera mi mora infilazo. Zameta utala ginata wa anna bromi, lukramina utali fili zamota utali soroka. Anurabana itili wa inna spateka, ontalata wa inhello menota utel korozei, sukrem, sukrem, sukrem. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dois la main comme le tonnerre, s'il te plaît. Give amen like thunder, please. Et de, dans le règne de l'esprit, mon esprit a commencé à aller. Et il volait. Il virevoltait. L'esprit de Dieu me montrait des choses. Et il m'a dit, priez. Qui maudit les eaux dans ta famille? Toute personne responsable du malheur dans nos familles. Qui a vendu nos destinées au diable. Tout méchant qui s'est engagé dans la sorcellerie, dans la magie noire, pour faire des incantations, pour que les gens ne se marient pas dans nos familles, que les gens meurent des maladies bizarres, que les vies soient bloquées. Nous retournons leur malédiction contre eux. Que le peuple de Dieu se fâche ce soir et que chacun prie avec colère pour retourner à l'expéditeur les paroles de malédiction proclamées contre notre camp. Dis mon père, oh Dieu, toute personne
personne dans ma famille, dans mon lieu de servir, qui pratique la sorcellerie, pas des incantations, des invocations, des pratiques magiques pour maudire ma vie, maudire ma famille, pour tuer les membres de ma famille dans la sorcellerie, pas des sacrifices, pas des rituels. Nous retournons à l'expéditeur, sa prophétie maléfique. Au nom de Jésus, toute arme spirituelle de sorcellerie maléfique contre nos vies, nous les retournons à l'expéditeur. Ouvre la bouche et retourne à l'expéditeur. Rasujiane mahandolo profoho sate inte paleke bebe regea rufofa antapa vive trotika la pradiga ilimano sete le be regete lea liveve intonia manta li de breve shata kitita manamotson tala bra arose le beba roja daga livina niano mo seleba Pam brava la kikoti alita handra diga el prevesete into sele perero rosa diga karofia la manta la parate into ve peroria la manta la pariga voselani intante el pepe rovico lito le parate iskatera gasara milo chevo Sera meloi, sera memora banasevo, sera memora ifini munda ibroze, sera memora banazo, raketoro, malaji more, sevro, oh, sera memora benosevo, e sera memora Sevara memora bana sevaro. Barakato so pala balakia. Livinia mono monta la da berevelebe. La manta la da breva le cadala da berregata la breva le gadia. In sojeta la mintia dosa live interliga. Il viva hanno no mohonto la brava hosadi. Chi guadia liva ante le venemos. Barazata lebea. Il veve le monta liva ha. Jekoniana mane levelegea, levive handa lepre, ralo lokio di ana venda liga brosha, intende lepre shahadiga. Basara mimo sevo, oh, esura melgoi, sura pimo jelo fera, sara mimo ravil, sera mimo raban sevaro. Eshoro, maladie forem lole, sago fera mimo, eshofrir, minora iver mansaro, sero man raifili moje, mara mimo rabana sevare. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Et j'ai vu des mains. Ce m'a dit prier sur les mains. J'ai vu des mains maudites. Des mains maudites dans la sorcellerie. On a dit que tout ce que tu fais mourra. Que tu ne prospéreras jamais. Que tu ne réussiras jamais. Nous allons nous tenir devant l'Éternel. Nous verrons qui est Dieu en vérité. L'Éternel est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre divinité. Et tous les dieux de la terre se prosternent devant notre Dieu. Quiconque a maudit tes activités a dit que tu ne seras jamais riche, que tu ne réussiras jamais dans tes affaires, dans tes projets, tes entreprises. Nous retournons sa parole contre lui. Dis mon Père, toute parole de malédiction contre mes finances, contre mes projets, pour que je demeure pauvre, pour que je ne réussisse jamais, je la retourne à l'expéditeur et je déclare, quiconque a dit ces choses sera mon employé avant la fin de cette année. Je suis prospère, je suis riche, je réussis dans toutes mes activités. Ouvre la bouche, prie et retourne aux prophéties. Carriana manda le paroso, la manda le cattivi di bossa.
Sera more votello, sera vo mello ga sura me e soffrir pura i fili maraso sera mi mora banso rami fil mora vidaro e soro malati fore me sera vo e sura verde Osura mi mor ban saro sero maladi mura beno Mania coho sotto la briga, il fenta lita barra di ghe, i veriano moschata, breve canta la breve e te che le di, le son sciacapa parate, panno mo paria voce te, li ve e le chete le pepe rete, e ne ne mo mamma hande e coadia, sate periano mamma no moscia, vechete pahandro tu posa figa. Viva tu pahabra arrosita andia fea shake me reve sera thank you lord gasura mi morevo termo saro gasura mi e se vede il soro adonai filigaro saro maruli mora e flui se Serai malati more votello sermo a cura mi mor e soffrir ora mi mora banno sera mi mora be au nom souverain de Jésus-Christ on a prié amen au nom de Jésus on a prié Dis Seigneur Jésus, en cette année 2023, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Moi et ma maison, nous ne saurons pas. Quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, nous ne saurons pas. Nous sommes décidés de marquer notre génération. Que les eaux amères de nos vies soient assainies. Seigneur, aujourd'hui, je bois des eaux que tu m'as données depuis des années, mais que je n'arrivais pas à boire. Aujourd'hui, mes eaux, mes sources sont bénies. Moi et ma maison, nous sommes sauvés de la soif dans tous les domaines sentimental, financier, familial, relationnel, professionnel, ministériel. Seigneur, nos eaux sont assainies. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis-moi sept fois et c'est scellé. Regardez, nous posons, qui croit que ces eaux sont assainies ce soir? Qui croit en ça? Dans tes finances, dans tes affaires, ta vie sentimentale, les esprits là sont partis. Et tu crois qu'à partir de ce soir, tu es une nouvelle femme, un nouvel homme. Qui croit en cela? Tout sacrifice qui a été fait contre toi, ta famille, tes affaires, tout. Nous sommes en guerre. Nous détruisons ces hôtels au nom souverain de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre, s'il te plaît. I see this world.
Jésus, tu es ma joie, Jésus, tu es mon refuge, Jésus, tu es
Tu es ma vie, en toi j'espère Jésus. À prononcer ton nom, je me sens. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce soir? Jésus, Jésus, oh que je t'aime. Aïe, 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 aïe. Joyeux mariage au nom de Jésus. Je dis joyeux mariage dans ta famille. Jésus, voyez. Je vois les étoiles briller à village. I see stars shining at village. Je vois les étoiles briller. I see stars shining. Aye, 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 Select, select, select. Je te vois briller. Je te vois briller. I see you shining. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce soir? Yes. Je veux voir ta main. Est-ce que tu es prêt ce soir? Are you ready à Jésus-Christ la gloire. The Jesus Christ, the glory. Je veux voir ta main, Jésus. Je veux voir ta main tous les jours de ma vie. Je veux voir ta main, oh, je veux voir ta main. Je veux voir ta main, je veux voir ta main. Lève la main vers l'autel, lève ta main vers l'autel. Oh, oh, je veux voir. Je ta main à ma main dans le règne des prophètes. Tous les jours de ma vie. Je vais voir ta main. Oh, Zamina ou t'as la faire à son. Je vais voir ta main, Jésus. Oh, je vais voir ta main tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie.
je les vois. Oui, je les vois. Exaltés parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je les vois. Oui, je les vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Vaillant héros, oh, mon héros, oh, vaillant héros, exalté parmi les peuples, rassemblé pour la tourée. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Ta puissance est là et ta main me touche, et ta main me touche, et ta main me touche. Ta puissance, ta puissance est là. Oh, oh, oh. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Oh, oh. Ta main me touche. Ton esprit, ton esprit est là. Hey, hey. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton onction, ton onction est là, et ta main me touche, elle me touche, ta main me touche, ta main me touche. Père, nous appelons ta gloire au milieu de nous. Qu'elle soit forte ce soir. Ceux qui sont connectés en direct, qui ressentent la puissance de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, Seigneur. Père, je me mets à genoux devant ton trône et je me lis devant toi pour dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ. C'est toute la nation et dans toutes les nations de la terre que les hommes se prosternent et t'adorent. Toi, le Créateur des choses visibles et des choses invisibles, des choses connues et des choses inconnues, le Dieu de toute gloire. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance se manifeste dans ma faiblesse, afin que le nom de Jésus-Christ soit reconnu pour vrai, comme le seul vrai nom. Tu as dit dans ta parole, Ego eimihe opohi menho kalon. Moi, je suis le seul bon berger. Sois le berger de nos âmes ce soir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Demande à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Dieu de manifester ta gloire, sa gloire dans ta vie. Lève ta main vers le ciel, lève ta main. Lève ta main, il est ici. Mindo bamta jude galma. Bamta jude magal isal masiyo. Mindo bamta jude galma. Tend les mains vers l'autel. Mindo bamta jude. Oh, mindo bamta jude. Mindo bamta jude. Calma, tu de ti men calma da. Oh, tu de men calma. Calma, mi do bam ta tu de.
devant ta journée, devant ta journée, ta loi. Commence à parler à Jésus ce soir. Dis-lui que tu lèves tes mains vers lui afin qu'il sanctifie ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux que mes mains touchent tes mains et que ma vie soit transformée à jamais. Quel que soit le fardeau de ton cœur, la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tomi donya wa on donya ondame. Tomi to I anon do umini tame. Mindo bamta jude jude jimen galhi samede. Mindo bamta jude. Calma Eto min mati la hol Anon isha modo durame Calma Eto min do woka Anon Allah modo durame Nous élevons nos mains vers toi. Zamir Amina Outala Farouza. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Vers toi. Et quand nous tombons, c'est toi Jésus qui nous relève. Nous élevons nos mains vers toi. Et quand nous sommes malades, c'est ta grâce Seigneur qui nous guérit. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Et toi. Tends ta main vers moi, tends ta main vers l'autel ici. Je proclame la bénédiction de Jésus-Christ sur tes deux mains. J'ôte de ta main gauche et de ta main droite la malédiction des citernes crevassées. Au nom souverain de Jésus, la prospérité s'attache à toi. Et partout où tu iras, tu brilleras comme la splendeur du ciel. Tu brilleras comme le firmament, comme le soleil à son zénith, dans le nom souverain de Jésus. Père, merci pour ta gloire au milieu de nous. Au nom précieux de Jésus-Christ, amen. Maintenant, écoutez, est-ce que je peux prier avec vous? Hein? Est-ce que ton cœur est ouvert? Si je parle d'une histoire qui ressemble à ton histoire, n'hésite pas de venir ici devant. Voulons continuer, on s'est arrêté hier. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Hier, j'ai prié sur un frère. Arrêtez les enfants, s'il vous plaît, je veux prophétiser. J'ai besoin d'être concentré. Amen. Voilà. Hier, j'ai parlé d'un frère et j'ai dit qu'il était dans un bar qu'on appelait Balafon. Bar, c'est ça, n'est-ce pas? On a travaillé avec lui hier, on a prié ensemble et sa femme devrait venir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est avec sa femme aujourd'hui. S'il est là avec sa femme, elle est là.
Il peut venir, je veux prier sur sa femme. He can come, I will pray with his wife. Pendant que je prie, n'obligez pas les gens de se mettre assis. Quelqu'un va être debout, laissez-le. Je ne veux pas que le protocole dérange les gens, s'il vous plaît. Comme l'Esprit de Dieu te met à cœur, je suis dans l'ordre. Tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Dans le règne de l'Esprit, j'ai commencé à voir des choses. Et je veux prier pour ces choses. J'ai vu un frère. Vous aviez l'habitude d'aller boire dans un bar. Le bar, c'était chez Papa Eli. Et vous êtes là ce soir, je veux prier avec vous. Vous alliez boire quelque part dans un bar. Et le bar, c'était écrit comme chez Papa Eli. Celui qui avait le bar s'appelait Papa Eli. Et on appelait le bar chez Papa Eli. Et vous êtes ici, je veux prier avec vous, s'il vous plaît. Je veux que vous veniez. C'est votre épouse. Que Dieu vous bénisse. Restez tranquille, je vais vous parler tout à l'heure. Laissez-moi regarder certaines choses. Est-ce que vous suivez? J'ai dit qu'il y a un frère ici, il y a un monsieur qui est venu ce soir. Vous alliez boire dans un bar qu'on appelait chez Papa Eli. Je voudrais prier avec vous, s'il vous plaît. Si vous écoutez ma voix, n'hésitez pas. Je vous en prie. J'ai vu une femme qu'on avait amenée chez un marabout qu'on appelle Mala Mustafa. Et vous êtes ici dans la salle. Je veux prier pour vous, s'il vous plaît. On vous avait accompagné chez un marabout qu'on appelait Mala Mustafa. Et je veux prier pour vous ce soir. Si vous écoutez ma voix, venez, n'hésitez pas. Je vous en prie. Ça, j'ai vu ça à l'hôtel, quand j'étais encore à l'hôtel, en train de m'apprêter. Well, c'est pourquoi, myself, maman? Why is it for? Hein? Quand j'étais malade. Oui. On m'a amené chez beaucoup de marabouts. Il y avait lesquels on appelait Mala Mustafa. On s'est amené chez un marabout qu'on appelait Mala Mustafa. Hein? Mettez-vous ici. J'ai vu une femme ici en rapport avec un monsieur, avec vous avez une sœur qu'on appelle Hajara. Je prie pour vous. Vous avez une sœur qu'on appelle Hajara. Hajara. Je dois prier pour vous. Elle est où? C'est là-bas. Votre sœur Hajara. C'est qui? Hajara, c'est qui? Votre soeur consanguine, venez. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, les pasteurs, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, j'entendrai, je verrai comme jamais. Lève ta main vers moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. I need your grace. J'ai besoin de ta grâce. I need your grace. Asseyons-nous. J'ai vu une femme. Vous êtes en location, alors je parle. Vous avez des problèmes avec votre bailleresse. On appelle. Je vous dis le nom de la femme. Ne levez pas les mains vite. Vous avez des problèmes avec votre bailleresse. On l'appelle Maman Marguerite. C'est vous? Venez. Jesus. Qu'est-ce qui se passe avec elle? What's wrong with her? C'est problème de toilette, papa. Oui. Quand on paye le loyer, qu'on demande de retirer des vidanges, les toilettes, oui. On dit que si ça nous dérange, on quitte le lieu. On l'appelle comment? Maman Marguerite. Maman Marguerite. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous êtes venu ici, vous vous battez dans la vie. You're struggling in vous avez une femme qui se bat. Oui.
Vous êtes une femme seule en fait. Les hommes vous abandonnent. Les parents vous ont abandonné. Vous vous battez seule. En fait, vous êtes une femme seule au monde. À là où je vous vois, le Seigneur me dit de prier avec vous. Parce que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Quand je parle d'aide, je ne vois pas une autorité d'homme sur votre tête. Je ne vois pas une bonne autorité sur vous. Il n'y a pas d'autorité d'homme. Et vous cherchez ça. Un homme qui va vous aimer tel que vous êtes. Un homme qui va vous respecter. Un homme qui va reconnaître votre valeur. Mais je vais vous dire quelque chose. La maison où vous êtes, il faut déménager. C'est même un projet que vous avez. Ce n'est même pas que je raconte une histoire. C'est vrai, papa. C'est un projet que vous avez. Vous cherchez une maison. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai, papa. C'est ça. Ça fait une semaine que je cherche. Vous cherchez, n'est-ce pas? Je cherche. Mais quelque chose s'est même passé. L'Esprit de Dieu m'a ramené ici. Et je suis arrivé chez vous. Quand je suis arrivé chez vous, je suis entré dans votre maison. Et j'ai regardé les choses. Je vous ai vu en train de vous préparer pour déménager. Parce que cette histoire de toilette n'est pas la seule chose qui vous dérange. Il y a un autre problème derrière. Un problème de sorcellerie derrière. Un problème d'accusation de soupçon par rapport aux toilettes. Il y a des choses qui se disent. Il y a une voisine à vous. Vous n'êtes pas la seule, c'est un camp. Les gens racontent les choses. Il y a une voisine qu'on appelle Solange qui est venue vous dire qu'on lui a dit que votre voisine, que votre bailleresse, Maman Marguerite, a le moment aux toilettes. C'est vrai, papa. Hey! J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Regardez. Je me couche dans la poussière pour que tout le monde sache que la gloire est à Jésus-Christ, que je ne suis que poussière. Il faut comprendre ça. Ici, personne n'est rien. C'est Jésus-Christ qui nous a rassemblés. Et je veux que vos cœurs, vos yeux soient tournés vers celui qui opère au milieu de nous. Vous avez des problèmes sentimentaux. Beaucoup de déceptions sentimentales. Alors je parle, vous pleurez. Vous pleurez. Il y a trop eu de déchirures dans votre vie. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit, parle à ma fille. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes une bonne personne. Et vous méritez le bonheur. Et vous demandez à Dieu, est-ce que je suis né pour souffrir? Seigneur, est-ce que je n'ai pas droit au bonheur? Et Dieu envoie son prophète vous répondre aujourd'hui, madame. Vous serez très riche dans votre famille. Amen. Vous serez trop riche. La femme-ci, regardez cette dame. C'est une femme d'affaires, la femme-ci. Femme d'affaires internationale. Alors je passe pas avec le petit commerce, le petit business. Hein? C'est ça? Mais les choses arrivent. Les choses sont en train d'arriver. Dans le business, Dieu va vous révéler quelque chose. Il y a une jeune femme qu'on appelle Marie qui vous a aidé en ce qui concerne le business. Hein? Au début des affaires, elle vous a donné des conseils. Elle est où maintenant? Elle est là, papa. Elle est là où? Elle est en ville. Elle est on appelle quoi? Marché centre. On l'appelle comment? Marguerite. Regardez. Quelque chose va se passer. Le Seigneur va vous surprendre. Dans vos finances, le Seigneur va vous surprendre. Je vois un miracle venir dans vos finances. Et en ce qui concerne votre vie sentimentale, vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez. Vous êtes en train de pleurer. J'ai entendu Serge, l'amour de votre vie. Vous en êtes séparés. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, vous pleurez par rapport à Serge. Il y a des blessures dans votre cœur par rapport à ce qui s'est passé avec Serge. Parce que c'est un jeune homme qui vous a tellement aimé, avec qui vous aviez des grands projets. Vous êtes avec qui ici?
Vous êtes seul. Il est où maintenant? Where is he now? Il est en sus, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Papa, je ne comprends pas. Ça arrive comme ça. Hein? Quand il est arrivé, il m'a appelé que faut te débrouiller, j'ai trouvé ma femme. Et vous avez qu'il a déjà trouvé sa femme. Vous connaissez sa femme? You know his wife. Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Je peux vous dire? Can I tell you? Je peux vous dire qui est sa femme? Can I tell you who is his wife? Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Oh God. Expose. Expose. Les ennemis de ma vie. Enemies of my life. Donnez le micro. Give her the mic. Nous allons lui dire. We will tell her. Serge. Serge. C'est un garçon bien. He's a good boy. C'est un jeune homme bien. He's a good young man. Vous deviez voyager avec lui. Il vous avait promis le voyage. Vous avez même commencé à faire les papiers. Vous avez confié le problème à votre meilleure amie, Marguerite. Your best friend, Marguerite. Celui qui était supposé être son mari a voyagé avec sa meilleure amie, sa complice qui l'aidait à faire le papier, Marguerite. C'est Marguerite qui allait pratiquer. Elle allait voir Serge. Elle a dit à Serge que vous n'êtes pas une femme fidèle. Parce que vous sortiez avec un monsieur qu'on appelait Philippe. Vous avez mis terme à votre relation avec Philippe. Et Marguerite connaissait Philippe. Et elle allait raconter à Serge. Elle a donné le numéro de Philippe à Serge. Un 699-99-02. Elle est quelque chose. Jesus. Tenez-la, tenez-la, arrêtez-la, qu'elle hold ne tombe on, pas. On, let her not fall. Tenez-la, tenez-la. Hey, hey. See you over. Que Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Toute personne qui rit avec toi, mais qui cherche à t'enterrer, elle sera enterrée. Je dis, elle sera enterrée. Dans le règne de l'esprit. Le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé. Elle est arrivée. Marguerite est allée voir Serge et lui a dit cela. Et ils ont appelé Philippe. Et Philippe a répondu. Et il lui a dit, est-ce que tu connais tel? Philippe a dit, oui, c'est ma chérie. Mais on a des problèmes. On a des difficultés. Parce que vous avez des problèmes avec Philippe par rapport aux ventes. Il y a eu un problème avec l'enfant. Vous étiez enceinte et c'est passé. Quand il a pris ça, il s'est fâché. Il vous a dit, pourquoi tu as avorté mon enfant? Hein? Et Philippe a dit à Serge qu'il est fâché de vous parce que vous avez sorti son enfant. C'est où Serge a succombé au charme de Marguerite. Et il l'a prise. Il a fait la mairie. Dada. Il n'a même pas doté. Ils sont partis en Europe. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Maintenant regardez. Now watch this. Vous savez, you know, dans votre vie, vous avez, madame, vous n'avez pas d'amis. You have no friend. Votre étoile est trop forte. Your star is too strong. Votre étoile est trop forte. Too strong. C'est trop forte. C'est trop fort pour avoir des amis. Parce que chaque fille que vous prenez comme amie, elle vous trahit. La plupart des déceptions sentimentales que vous avez eues, ce sont vos amis qui vous ont trahi. C'est vos amis. Il y a eu au moins 3 déceptions amoureuses. 3 fois que vous allez vous marier. Hein? Au moins 3 fois. J'ai vu Blaise. Et Blaise, c'est aussi un garçon qui vous aimait. Lui aussi, vous l'aimez tellement. Hein? Il est où maintenant? Il est en France toujours. Hein? Il est en France. On l'appelle comment? Blaise. Blaise. Il est en France. Je peux lui citer les 3 hommes qui sont venus l'épouser. Mais ses amis, quand vous étiez avec Blaise, vous aviez votre amie qu'on appelait Inès. Ah? Elle est où maintenant? Elle est à Yaoundé. On l'appelle comment? Inès. Vous savez ce qui s'est passé? Que
Que Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Que Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Regardez. À l'époque, quand Blaise était encore au Cameroun, il vous parlait aussi de voyage. Il vous a dit vraiment, je t'aime, tu sais, je vais aller. Et dès que ça marche, je vais t'envoyer les papiers et je reviendrai te chercher. C'est ça? C'est ça, papa. Et vous parliez aussi tout à Inès. Et c'est ça le problème avec vous. Et à l'époque, vous aviez une amie qui coiffait, qu'on appelait Madeleine. Ah, la femme s'est dépassée. Arrêtez-la, arrêtez-la. Nous allons exposer les œuvres cachées. Madeleine avait un salon de coiffure. Mado coiffure. Manicure, pédicure. Soin de visage. Et c'est là que vous vous rencontriez souvent. Un matin, vous êtes allé chez Madeleine pour vous coiffer. C'était un samedi matin. Vous êtes arrivé vers 8h. Vous êtes arrivé chez elle à 9h. Elle était en train d'arranger encore le salon avec sa fille qu'elle formait, qu'on appelait Salomé. Et c'est ça, ah, elle est dépassée. Et c'est ça. C'est quoi? What's wrong? Rien. Jesus. C'est Salomé qui vous coiffait. Salomé that was doing your hair. J'étais arrivé. Madeleine a demandé à Salomé de sortir, qu'elle veut vous parler. Et elle vous a expliqué que votre ami est en train de draguer Blaise, qu'elle fait la cour à Blaise. Elle vous a dit, méfie-toi de ton ami ici. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai, papa. Mais vous n'avez pas cru. Oui, papa. Pourtant, son ami lui disait la vérité. Et après, Inès est allée voir Blaise. Pour lui dire que vous sortez avec Pedro. Et à l'époque, votre téléphone avait des problèmes. Vous aviez un petit téléphone Samsung qui avait des difficultés. Parfois, Pedro vous écrivait à travers le téléphone de Inès. Et Inès a pris le message que vous envoyez à Pedro et allait montrer ça à Blaise. Et Blaise a dit que vous n'êtes pas sérieuse. Pourtant, vous aviez rompu avec Pedro. C'est lui qui courait après vous. Vous n'étiez plus dans la relation. Mais elle a montré le message. Voilà comment Blaise s'est fâché contre vous. Et il a pris Inès. Et il a commencé à lui faire les papiers. Après, il s'est rendu compte que Inès n'était pas sérieuse. Vos amis. Your friends. Qui est ton ami? Who is your friend? Demande à ton voisin. Ask qui est ton ami? Who is your friend? Tout ami que tu appelles ton ami intime, friend, mais qui en vérité est ton ennemi intime. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, expose les ennemis cachés de ma vie. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tu donnes ton argent à quelqu'un. Il prend ça, il passe chez le marabout avec. Tu souris avec quelqu'un. Pourtant, il est en train de calculer comment il va t'enterrer. Que Dieu les expose. J'ai prié hier que Dieu vous révèle vos ennemis cachés. Si quelqu'un vit quelque chose la nuit ici, il y a les gens qui ont vu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on va écouter votre témoignage. Maintenant, regardez. Je dis quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je vais demander deux choses? Vous voulez quoi? Que je prie que Dieu vous bénisse financièrement pour que vous voyagiez? Oui, papa, c'est mon souhait. Hein? C'est ça, c'est mon souhait, papa. C'est ce que vous voulez. Oui, papa. Est-ce qu'on peut la faire voyager? Quand je suis faible, weak, c'est alors que je suis fort. Then I am strong. Je suis venu dénoncer les œuvres de la sorcellerie à village. Dis-leur que le prophète de Kane Ferdinand est là.
que les œuvres de Satan sont dénoncées, elles sont détruites. Et quiconque dans ta famille était responsable de tes malheurs, la personne la rendra des comptes au Dieu que nous servons en ce lieu. Je vois ton miracle, je vois ton miracle, je vois ton miracle, je vois ton miracle, je vois ta délivrance. Reçois ton miracle ce soir, dans le nom souverain de Jésus. C'est la guerre, dis à ton voisin, c'est la guerre. Apporte-moi l'huile, je veux mettre l'huile de la royauté sur cette femme maintenant. Nous sommes des prophètes. Père, au nom de Jésus, que cette huile apporte richesse et voyage dans la vie de cette femme, au nom de Jésus. Que ce démon de déception quitte sa vie, au nom puissant et souverain de Jésus. La frie, Satan libère sa vie. Va-t'en, ne reviens plus jamais ici. Femme, ta richesse est libérée et ton voyage est libéré, au nom souverain de Jésus. Celui qui dit amen comme le tonnerre reçoit la double portion. Qui est prêt ici à Douala? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est votre femme ici, hein, c'est ça? C'est ma femme. C'est maman, ma femme. Ça va? Hein? Il y a une dame hier qui devrait venir avec son amie Aïcha. Elle est là, si Aïcha est là ce soir. Est-ce qu'elle est venue? Elle est là, qu'elle vienne, qu'Aïcha vienne. Le Saint-Esprit l'a cherché hier. C'est votre... C'est qui ça? C'est mon mari, pa. Vous l'appelez comment? How do you call him? Bébé parfois, tonton parfois. Tonton. Uncle. Ah, vous aussi ne me gâtez pas le programme. Oh, comment bien le programme? Eh, viens nous gâter ça que tonton. Tu épouses ton tonton. You married your uncle. Donnez-moi le bon nom. Give the right son name. Nom, c'est quoi? What is his name? Mon chéri. Faut pas gâter le programme des gens. Regardez, on va se fâcher ici, là, nous tous, là, elle nous garde le programme pour rien. Vous l'appelez comment? How do you call her? Mon doudou. Hein? C'est ma doudou. Votre? Doudou. Doudou. Ah. Ma doudou. My doudou. Là, il y a des hommes villageois ici. The village of men. Tu appelles ta femme la mère des enfants. The mother of children. Que Philomène, tu es où? Philo. Where are you, Philo? C'est ta soeur. Is she your sister? Si tu vois, elle est mariée, il salue sa femme comme ça. Et toi aussi, tu acceptes. Ils sont pleins là, les villageois ici à village. Les villageois de village. Tu ne peux pas faire la centrale à ta femme. Vous faites souvent la centrale. Vous lui faites la centrale souvent. Reçois le mariage, reçois, 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 reçois. Dieu va te donner une bonne femme. Dieu va te donner un bon mari. Si tu dis amen, ça vient sur toi. Maintenant, regardez. J'ai parlé avec votre mari hier. Vous avez vu ça à la télé? Oui, papa. Vous avez suivi? Oui, papa. Ce que j'ai dit là, c'était vrai? C'est vrai, papa. C'est vrai? C'est vrai, papa. D'accord. Vous battez avec le commerce? Vous débrouillez? Avec les activités. J'avais commencé avec le commerce, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. It didn't work. C'était trop dur. C'était trop dur. It was too hard. Je me suis lancé dans le raccommodage. C'est quoi le raccommodage? What is your... Le raccommodage des vêtements. Oui. Et c'est comment? C'est dur. C'est toujours dur, papa. D'accord. Est-ce qu'on peut ramollir ça? Amen, papa. Hein? Amen, papa. On peut arranger ça. Amen, papa. Ok. Tendons la main vers eux. On va prier pour eux. Nous allons déclarer le Seigneur va agir. Elles sont peut les libérer. Can we release them? Vous savez, j'ai parlé à votre mari. Je vous parle aussi ce soir. Votre couple a besoin de beaucoup de prières. Priez à la maison ensemble. Priez ensemble. Lisez la Bible le matin ensemble. Invoquez le nom du Seigneur. Parce que les problèmes que vous avez dans votre couple, c'est des problèmes mystiques, c'est des esprits maléfiques qui vous attaquent. Vous mettez les problèmes entre vous. Vous mettez les difficultés, les mésententes. Il faut beaucoup prier pour ça, vous comprenez? Il y a beaucoup de mésententes parfois parmi vous. Vous avez voulu vous séparer. Hein?
Mets ton micro, ça ne parle pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas deux mois, on a eu des problèmes jusqu'à... Je l'ai dit même de partir parce que ça n'allait plus, ça valait même plus la peine. Ça ne valait pas la peine. Elle me répond comme si j'étais encore devenu que son enfant. D'accord. Ça m'a beaucoup énervé. D'accord. Vous suivez ce qu'elle dit? Vous suivez ça? Je comprends, papa. Hein? Je comprends, la papa. Femme ne doit pas gronder l'homme. Mais c'est à quoi? Grondez jamais votre mari. Vous suivez? Oui, ne vous révoltez pas contre l'homme, c'est pas bon. Fâche-toi comme tu veux, mais ne gronde pas ton mari. Ne gronde pas, parce que c'est un roi. On est des rois. We are kings. We are kings. Non, on est des rois. We are kings. Vous êtes des reines. You are queens. Toutes les femmes sont des reines. All women mais votre royauté vient de nous. C'est nous qui vous faisons reines. We are the one making you queens. Ne parle pas fort à celui qui met la couronne sur ta tête. Parce que tu risques de regretter. Ça, c'est. You may regret it. Et je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Regardez la femme-ci. Look at this woman. Vous avez beaucoup souffert depuis votre enfance. Vous avez trop souffert. Et l'homme qui vous a trouvé, lorsqu'il vous a rencontré, est-ce que je dois dire ça? Oui, on arrange. Personne ne se fâche. Promettez-moi que personne ne va se fâcher. Vous n'allez pas bagarrer à la maison. Bien. Lorsque vous l'avez connue, elle était avec un monsieur. Est-ce que vous comprenez? Elle était avec un monsieur qu'elle aimait beaucoup, qu'on appelait Roger. Et ce Roger-là, c'est quelqu'un qui l'aimait. Hein? Ça dit que elle, il y a eu quelqu'un qui était derrière elle, qui l'aimait, qui voulait l'épouser dans sa jeunesse, qu'on appelait Roger. Et c'est un gars qu'elle a beaucoup aimé. Et qu'il a aussi beaucoup aimé. Et ça fait que dans le mariage, il y a des... Vous avez eu des problèmes. Vous voyez, il y a des problèmes qui... Il y a des problèmes qui font souvent que chacun commence à regretter. Les gens regrettent certaines choses. Hein? C'est un peu ça. C'est ça qui se passe. Hein? D'accord, ce qu'on va faire, c'est que chacun de vous... Chacun de vous doit oublier son passé. Oublier le passé. Ne va pas dans le mariage avec ton passé. Parce que tu vas détruire ton mariage. Restez en paix. Je vais prier pour elle. Le Seigneur va la bénir. Amen, papa. Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir de cette façon-ci. Il y a un miracle qui vient devant vous. Demain, ça sera... On va venir enterrer l'ennemi ici ce soir. Demain, là. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis la vérité. J'ai dit que les célibataires, joyeux mariage. Même si je n'étais pas touché, ma parole est arrivée au tien. L'année-ci ne va pas finir. Que l'impossible ne soit pas devenu possible dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Père, je prie. Father, I pray. Je prie. I pray. Je prie. I pray. Je prie. I pray. Je prie. I pray. Votre téléphone va sonner. Your mobile phone shall ring. Votre téléphone va sonner. Il y a une femme qui va vous appeler. C'est une femme que vous connaissez, qu'on appelle Maman Elise, qui a été une aide pour vous. C'est une femme qui vous a aidé dans le passé. Elle a été une bénédiction pour vous. Ça fait quelque temps que vous vous êtes séparés. Et je vois cette femme vous appeler. Et quand elle va vous appeler, elle va vous offrir une somme d'argent. Et cette somme d'argent, investissez-la dans le commerce. Et vous verrez ce qui va se passer après cela. C'est ce que nous appelons la prophétie prédictive. Amen. On te dit clairement comment la chose va arriver, quel chemin la chose va employer. Amen. Après cette prière, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen, papa. Bless you. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Et c'est faire Milo. Lève ta main. Toute malédiction des mains percées, je la renvoie à l'expéditeur au nom souverain de Jésus. Je la renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Est-ce que je peux te dire ce que j'ai vu sur toi? Ça, c'est une prophétie globale. Ta famille sera étonnée des choses que tu vas accomplir avec ces deux mains. Tendez les mains, tendez les mains, tendez les mains. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Je bénis tes mains au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes mains au nom souverain de Jésus. Toute malédiction de Satan crevassée, retourne à l'expéditeur. J'attache à ta main droite la bénédiction, à ta main gauche le succès. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, dis Amen trois fois et c'est scellé.
Et sera mis mort. Oh, j'ai tellement de dettes. On vous a amené chez Mala Mustafa. C'était ça? Oui, papa. On vous a amené chez Mala Mustafa. Oui, papa. Oui, papa. D'accord. Fine. Vous êtes allé, vous n'avez pas trouvé de solution. Est-ce que je peux payer les dettes prophétiques si demain je vais payer ça sur vous? Vous c'était pourquoi? Aïcha est où? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Vous faites quoi dans la vie? What do you do in life? Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous faisiez avant? What were you doing before? Bon, je faisais dans le ménage. Dans le ménage? Oui. Femme ménagère. Femme ménagère. Housewife. Regardez. What's this? Hier, vous avez suivi la prophétie que j'ai donnée à cette dame, you vous concernant. I gave about you. Oui, hein? Papa, oui. Vous avez suivi? J'ai suivi, papa. Vous croyez au prophète? You believe in prophets? Vous me connaissez? Je vous suis you tous know les jours. Me. Vous me suivez tous les jours? Oui. You follow me every day. Bien. Well. C'est la première fois que vous me croisez. Is it the first time you encounter me? Ça fait quatre fois. Quatre fois. En Dogbon, trois fois ici, une fois. D'accord. Tenez ça. Dans votre famille, le Seigneur me dit de vous dire un message. Cette saison sera une saison de relèvement. Dieu va commencer à vous relever en cette année. Parce que vous êtes abandonné vous aussi. Vous êtes abandonné de tout le monde. Vous êtes le père, vous êtes la mère, vous êtes le mari, vous êtes la femme. C'est ça? Il y a des gens qui se sont moqués de vous. Comme je mets la main sur cette femme, regardez-la, zoomez sur son visage. Parce qu'un jour, nous allons nous revoir. Et nous raconterons l'histoire de cette prophétie. Et nous dirons aux gens, jouez-nous la prophétie là, remettez la prophétie là sur Aïcha. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Venez. Sera mimu rabino de l'oxira. Sera mimu rabino xiri. Seigneur, nom souverain de Jésus. Lord, in the name of Jesus. Toute pratique de sorcellerie contre toi est anathème au nom souverain de Jésus. Ton amen ne me plaît pas, je t'assure. Vous avez quoi au rein? J'ai eu le cancer du rein droit. Oui. On a enlevé le rein droit. Et actuellement, j'ai un seul rein, le rein gauche. Et il est au maximum de son fonctionnement. C'est-à-dire que mon rein travaille beaucoup plus. C'est ce que révèle l'examen de la créatinine. Venez. Come. Laissez-moi opérer un miracle ici. Let me perform a miracle here. Madame. Madame. Je vous dis quelque chose. Tell us something. On a volé votre étoile quand vous étiez une jeune fille. When you were a young girl. Madame, la dame c'est où? La dame de Durin, tenez, tenez, laissez-moi sauver une vie ici vite. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que le village est là ce soir? Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un can ce soir? Deliver somebody tonight? Regardez, quand j'ai tenu la main de cette femme, voici ce que j'ai vu. Je l'ai vu une jeune fille. Et quand elle était une jeune fille, je l'ai vu avec une amie qu'on appelait Amina. Hein? Je vous ai vu avec une amie qu'on appelait Amina. Une amie d'enfance à vous. À cette époque, vous étiez en train de commencer à voir les menstrues. Hein? J'avais les menstrues. Votre amie, c'était, elle s'appelait Amina. Et quand vous avez eu vos premières règles, vous lui avez parlé de ça. Et vous avez commencé à utiliser des tissus. C'était comme des tissus pour vous recouvrir avec. Un jour, Amina, votre amie, a pris. Elle vous a dit, donne-moi ça, je vais aller laver. Vous lui avez demandé que tu peux faire quoi avec. Et vous avez dit, non, laisse, je vais laver. On dit souvent que quand tu vois le premier menstrue, il faut qu'on lave ça. Elle vous a dit que sa maman a lavé pour elle. Elle va amener que sa mère lave aussi pour vous. Hein? Et vous avez accepté, vous lui avez fait confiance. C'est ça? Elle est partie avec. Vous ne savez pas ce qu'elle allait faire. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais été stable dans vos relations sentimentales.
on allait pratiquer sur vos menstrues. Je parle aux femmes qui font les règles, qui ont les règles et jettent le papier génie n'importe où. Si ça tombe entre de mauvaises mains, tu sauras le danger que ça représente. J'ai touché sa main. Le Seigneur m'a dit que son étoile, quand elle était une jeune fille, a été volée. Donnez la main. Au nom souverain de Jésus. De toutes les déceptions que vous avez connues, le Seigneur vous sort de cette prison aujourd'hui. Ce que Amina a fait contre vous, retourne sur elle. Aujourd'hui, madame, vous avez croisé Jésus-Christ à travers moi sur votre chemin. Et vous rentrez comme la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Aujourd'hui, vous arrêtez de souffrir. Aujourd'hui, vous sortez de votre prison. Dans le nom puissant de Jésus. La free. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Allez, vous allez. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté, mes amis. Quelle méchanceté. Qui a vu quelque chose? Qui a vu? Qui a vu une révélation? Qui a vu la face de son ennemi? Donne le micro ici. Qui a vu? Madame, attendez. Calmez-vous, je reviens. Ce problème, je veux faire quelque chose. Je vais invoquer le nom de Jésus-Christ sur votre oreille qui reste. Quelque chose va se passer. Vous irez refaire les examens. Après 3 jours, vous revenez. Vous n'en croirez pas vos yeux. Et vous saurez qu'il y a des prophètes au Cameroun. J'ai prié que Dieu expose nos ennemis. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit, j'ai rêvé d'une amie, une grande amie d'enfance avec qui nous nous entendons très bien. Bon, dans la nuit, elle me suivait et puis je fuyais. Elle avait une corde avec une voile qui avait des coris. Bon, je tentais de m'enfuir. Ma grande soeur, puisqu'elle connaît cette amie-là, elle me dit, non Marie, mais c'est Amina. C'est Amina, pourquoi tu fuis? Et puis, c'est encore comme... Amina. Amina. Dis à ton voisin, encore Amina. Tell the neighbor, Amina again. Qui a aussi un ami, une amie, Amina. Et c'est une voisine, c'est Ami. C'est pas toutes les Amina qui sont mauvaises. Oui. Et tellement elle me guettait et je la voyais. Finalement, je ne sais pas comment la corde qu'elle m'avait donnée s'est retrouvée entre mes mains. Et avant que cette corde n'arrive entre mes mains, l'intuition m'est venue. Parce que j'ai pris l'huile de faveur dans le rêve. Dans le rêve. Et c'est chacun sa bouteille d'huile de faveur ici. Tout le monde a sa bouteille. On va prier tout à l'heure avec. Et demain, on va poser l'acte prophétique avec aussi. Oui. Dans le rêve, j'ai oint mes deux mains d'huile d'olive, d'huile de faveur. Et puis j'ai pris, n'est-ce pas, la chaîne qu'elle m'avait donnée d'attacher autour de mon rein. Je faisais comme ça. Et subitement, je me suis réveillée. Le Seigneur vous a accordé la victoire. Il vous a révélé votre ennemi et vous a donné la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Venez, venez ici. On va sceller sa victoire. Le protocole derrière elle. Père, cette chaîne est coupée. L'esprit d'Amina la quitte maintenant. L'esprit d'Amina la quitte. Regardez, regardez, regardez. L'esprit d'Amina sort, 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 sort. Au nom de Jésus-Christ. You are free. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Cet esprit est parti. Elle-même ne savait pas qu'elle portait une malédiction, n'est-ce pas? Cette pratique est partie. La racine de la sorcellerie qu'on avait mise en elle pour la détruire est partie. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes libéré. Vous avez dit que nous devons dormir, on va voir nos ennemis, les ennemis cachés. Puis hier soir, après la prière ici, je suis rentrée à la maison. Avant de dormir, je me suis assise sur le lit. J'ai invoqué l'Esprit Saint, j'ai dit, j'étais à la prière, papa. Et le prophète nous a dit, voilà, on va dormir, on va voir nos ennemis cachés. Papa, me voici, je vais dormir, montre-moi mes ennemis cachés. Dans la nuit, j'ai vu un frère à mon fiancé. Quand je dis frère, ce n'est pas frère de sang, frère du village. Même oui, allons-y. Ils ont grandi ensemble. Je lui ai vu à 3 reprises dans les rêves. Il me calait partout où je voulais partir. Il bloquait. Il bloquait, il ne me disait rien. Il bloquait seulement. Après, j'ai aussi vu une autre dame dans mon quartier. Elle était aussi devant moi. Tous ne parlaient pas, ils me bloquaient. Mais ce qui me fait mal le plus, c'est que j'ai aussi vu ma maman. Ça me dérange beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et à 5h, je fais les couches de nuit. Ça m'a tellement dérangée. Je me suis levée, je me suis assise sur le lit. J'ai dit comment j'étais à la prière hier. Et je fais les couches de nuit. Et c'est Rami Mourabino Siri. Venez par délivrance.
Sera mi murabino de loxira. Ge sura mi varusere. Sera mi murabino asura. E sura mi murabino. Sura mi murai filigo saxuri. Gura mi murabino sira. E noi fili monra asaro. Démon de couche de nuit. Esprit de sorcellerie. Malédiction familiale. Libérez sa vie au nom de Jésus. Free. In Jesus name. Free. Go. Va-t'en. In Jesus name. Au nom de Jésus. Femme, vous êtes libérée. Au nom souverain de Jésus Christ. Sera mi murai valo. Oui. Bon, ce que j'ai vu cette nuit, c'est par rapport à l'entreprise là où je fais les affaires. Bon, il y a un client que nous avons pris qui devait prendre le bateau du riz qui arrive dans 20 jours. Donc, l'océan m'a monté dans la nuit comme s'il veut nous frapper. Le matin, la secrétaire appelle. Qu'il y a une personne qui a appelé que le monsieur qui veut prendre le bateau du riz, c'est un bandit. Donc, et vous avez vu ça dans la nuit. Le Dieu des prophètes s'est révélé à vous. Venez recevoir l'onction prophétique. Maintenant, je mets une huile sur elle. Elle devient prophétesse dans son lieu de travail. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce prophétique descend sur elle. Maintenant. 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 Au nom souverain de Jésus. Take it. You are free. Vous êtes libre. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Donne-moi la main. Show me your hand. Donne-moi la main. Give me your hand. Donnez la main. Give your hand. Donnez la main. Give your hand. Père, que cette femme soit libre et que sa coupe déborde de grâce et d'onction. Qu'elle soit prophétesse dans son lieu de travail. Onction prophétique descend. Tu es free. Vous êtes libre. Serem, oui, l'homme, ça finit. On finit ici. Oui. Oui, papa, quand j'étais ici hier, vous avez déclaré que vous verrez vos ennemis dans les rêves. Quand je suis rentré, j'ai acheté une bouteille d'huile de faveur ici hier. J'ai mis dans mes yeux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comme je ne vois pas souvent clair dans mes rêves, je vais voir clair dans mes rêves cette nuit. Quand en dormant, j'ai vu mon oncle. Nous étions dans une portion d'un champ qui nous appartenait, le petit frère à ma maman. On était dans un champ qui nous appartenait. Après, à un moment donné, il est venu, il a commencé à envahir, prendre et nous chasser. Il nous a tous chassés. Maintenant, je suis parti. J'étais en bordure de route. J'ai ramassé un petit... Il y avait un petit tas de gravier. J'étais en train de ramasser le gravier, j'ai ramassé. Après, il est revenu. Un esprit me dit que quand il revient là, s'il te trouve là, il va seulement t'écraser. J'ai commencé à ramasser. Et dès que je l'ai vu, j'ai fui. Il est parti, c'est où je me suis réveillé. Venez. Come. Vous n'allez plus fuir, c'est lui qui va fuir prochainement. Au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. You are free. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Maintenant, madame, regardez. Now, madame Lou. Venez. Vous dites que vous avez eu un cancer sur un rein, on a enlevé ce rein. Il reste un seul rein. Il fonctionne dans son maximum. Dans son maximum. J'ai dépassé les valeurs normales d'une femme. Bien. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, qui croit en ça? Est-ce que tu crois que son rein, le Seigneur va remplacer? Le rein. Je crois, papa. Pas un rein neuf. With a new kidney. Je crois, papa. Je ne dis pas qu'on guérisse votre rein, mais je demande au Saint-Esprit de vous donner un rein neuf. C'est pour cela que je suis là. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, papa, j'ai prié pour ça. J'avais prié pour ça. Oui, papa. J'ai prié pour ça. Et pour toute ma famille, rien ne va, papa. Rien ne va. Même mon époux le menace au travail, ça ne va pas. Ça, c'est qui? C'est votre époux? C'est mon époux. Son DG le menace à tout moment. Dis-lui que j'ai dit qu'il est un grand monsieur. Oui, qu'on n'écrasera pas son étoile. Amen. Dis-lui ça. On ne peut pas. Amen. Vous comprenez? On n'écrasera pas son étoile. Amen. Et vous, je veux prier pour vous parce que vous êtes une grande femme. Amen, papa. Vérité. N'écoutez pas ce que les gens disent. Vous êtes une grande femme. Vérité, moi, je ne la vois pas comme une petite femme. C'est une grande femme. Et nous allons prier. Dieu lui donne, nous commandons un règne neuf. Amen. Le créateur de l'être humain est notre Dieu. Amen. De même qu'un mécanicien peut changer les pièces détachées d'une voiture, notre Dieu peut aussi changer les pièces du corps humain. Amen. Je le crois.
Comme je prie avec vous, la gloire de Dieu se révélera du haut des cieux. Toute personne qui a le cancer ici reçoit la guérison. Même si c'est quelqu'un qui est à la maison, quelqu'un qui est en direct, comme je prie sur elle, il y aura ramification de guérison divine partout. Mettez la main où vous avez sur le règne qui est malade. Les deux mains. Mettez les deux mains. Vous avez mal au règne. Hein? Cancer. Ça va. Au nom souverain de Jésus. Père, j'appelle un nouveau règne. J'appelle un nouveau règne. J'appelle un nouveau règne. Je commande un nouveau règne. Mon Dieu, change son règne. 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 Saint-Esprit, touche son corps. Touche son règne. La puissance de la guérison. Dans le règne. 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 Laissez-la au sol, laissez-la. Dieu est en train de changer son règne maintenant. Le règne est en train d'être changé immédiatement. Dans le nom souverain de Jésus. Montez-la. Le règne est en train d'être changé. Le règne est en train d'être changé. Dans le nom précieux souverain de Jésus. You're free. Des années d'esclavage. Years of slavery. Je la libère de ses chaînes. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. You're free in Jesus' name. Vous êtes libre au nom de Jésus. Yassoura mi filasera. Mets-toi debout. La gloire de Dieu. Je vois les étoiles briller. Je vois les étoiles briller. Je vois les étoiles briller. Je vois ton étoile briller. Quelqu'un peut se mettre debout. Demain, viens avec un plat neuf. C'est la guerre de l'éternel. Cette saison, c'est ta saison. Que les gens le veuillent ou pas. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Qu'on croit en toi, qu'on ne croit pas en toi. Tu vas réussir et tu vas écrire l'histoire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, tu es béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Et Jérémie Maro Zaravo, Zaravo Mou. Et c'est Rami, c'est Rami, c'est Rami. Alléluia, Jésus t'a sauvé, tu es béni. Alléluia, Jésus t'a sauvé, tu es béni. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu es en haut et non en bas. Tout ce que tu toucheras cette année 2023 réussira. Sois prospère. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Et tu reçois la victoire sur tous tes ennemis. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Il m'a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Et tu es la misère, amour. Et tu es la misère, amour. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, je suis béni. Et
jamais cher amour. Et tu as mis ma rose à la main. Tu peux m'insulter, me calomnier, mais je suis ma bénie. Bénie, 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 je suis bénie, bénie, je suis bénie. Est-ce que le village est béni ce soir? Reçois la double portion au nom de Jésus.